les anges. Coucou les anges. J'ai récupéré ma fille après le petit déjeuner. Oui. Alors là, on est parti pour faire une vidéo à Bruges. Vous allez me dire, ben, ça a déjà été fait, oui, en été. Et là, ben, on va essayer de vous montrer s'il y a un beau marché de Noël. Parce qu'ici, on n'a pas encore fait, donc on va aller voir ça. Alors aujourd'hui, il y a soleil, ciel bleu, mais il fait froid, il y a beaucoup de vent. Donc on vous emmène avec nous. Et on a quelqu'un en plus aujourd'hui. Oui, le toutou. Regarde. Et on lui a mis sa veste, son pull, oui. Adidog. Voilà, il est prêt aussi pour la promenade. On y va? On y va. On y va. Voilà, on arrive déjà sur une petite place avant la grande place. Et là, il y a déjà plein de petites maisonnettes. Et oui, j'ai mis mes petites oreilles de chat parce qu'il fait quand même froid. Donc voilà. On y va, je vous montre ça. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just sneak in slow and just breathe. Loving some. Plate line. Ça, c'est trop trop beau. Il y a le Grinch en chocolat. Tu te vois manger le Grinch en chocolat? Non. Il est grand quand même. Ouais. C'est trop trop beau. Il y a des boules de Noël en chocolat. Que tu peux faire avec ton nom. Et c'est 7,50€. Oui, ça veut dire quoi? Maman va acheter. Et si en plus c'est marrant, il y a des moulins entre les marchés, les petites aubettes. Et c'est comme s'ils les avaient mis dans des maisonnettes de Noël, quoi. Chouette, hein? Et alors on a vu la pêche aux canards, mais les canards avaient des chapeaux de Père Noël. Ils étaient fun. Voilà, on continue jusqu'à l'autre place. Qui est plus grande et qui devrait peut-être avoir un peu plus. T'as rien à dire? Non. Non? Non, pas vraiment. Pour une fois que t'as rien à dire, alors que t'as la bouche vide. Elle a encore rien demandé à manger, hein. Non, mais ça se peut que ça tarte pas, hein. Ouais. Ça se peut, hein. Elle cherche toujours son bretzel, hein. Bah oui. Alors là, on avance dans la rue et là, je vois déjà des lumières, des petits chalets. Donc effectivement, sur la grande place, il y a des petits chalets de Noël. Ouais. Maintenant, on va voir ce que c'est. Ici, je ne sais pas dans quelle rue on est, mais on est dans la rue qui donne sur la grande place et où il y a déjà plein de magasins. La grande place de Bruges. Hein. De Bruges, oui. Bah oui, j'ai dit au début qu'on allait à Bruges. Hein. Alors ça, les gens, nous, on n'a pas envie de s'arrêter avec le chien pour qu'ils aillent chez d'autres chiens parce que j'ai trop peur. Et les gens, bah, ils laissent leur chien venir. Et alors, quand tu retires ton chien, ils disent « Ouais, ouais, mais notre chien n'est pas méchant » et après, ils se grognent dessus. Voilà. Et alors, moi, je retire toujours mon chien parce que j'ai peur. J'ai toujours peur des grands chiens. Oui, parce qu'on a un petit Yorkshire nain qui s'est fait manger, enfin, prendre à la gorge par un berger allemand. Elle n'était pas là, mais je lui ai expliqué. Et du coup, j'ai peur depuis ce moment-là. Voilà, on y est. Donc, vous vous rappelez, au mois d'août, on était venu ici et il y avait tout un concert sur la place. Et maintenant, ben, il y a plein de chalets. Là-bas. Et là-bas, le clocher. Et voilà, là, on est sur la place où il y a les petits chalets. Oui, ça, c'est Mélissa qui parle de tout et de rien. Je l'écoute à moitié parce que, bon, elle répète 36 fois la même chose. N'est-ce pas? Et en fait, comme je vois, je ne sais pas ce qu'il y a au centre, mais ça fait tout le tour. Voilà. Et là, voilà, là c'est mieux. Il y avait le soleil. Son pull, il est tout sale. Oh, ses pattes. Oh non. Ben, comme il a plu toute la nuit, il y a de l'eau par terre. Et son Adidog est tout sale. Tout sale aux pattes. Ça va être beau dans la voiture. Ouais. Ça
Et oui. C'est mignon. Il y a des petits trolls, il y a des bougies, il y a des boules de Noël. Non, c'est encore mignon. Il y a un peu de tout. Ici, tout ce qui concerne le bois. Beaucoup à manger. Comme tous les marchés de Noël. Mais toujours pas de pretzel. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on vient de montrer le Belfort, donc le Beffroi, enfin avec les cloches et tout ça. Et quand vous êtes en face, sur le côté gauche, il y a le musée de Salvatore Dali. Pour ceux qui aiment la peinture. Et c'est vrai que j'ai encore jamais été le voir. Hein. Donc peut-être qu'un jour, pendant les grandes vacances, on devrait venir prendre le train, venir jusqu'ici, voir le musée. Et le musée Allez, le musée de... Elle veut toujours faire le musée de la torture. Mais pourquoi? Je vais pas là-dedans, moi. Ah, ma fille, elle est pas très nette. Qu'est-ce que je vais aller faire dans un musée de la torture? Je la laisse là, alors. Si on y va, je te laisse là-bas. Non. Ah. Alors vous savez que nous les anges on n'aime pas vous mentir, donc on va pas vous mentir, le marché il est bien, mais j'ai déjà vu beaucoup mieux. Hein. Il n'y a pas beaucoup, malheureusement. Alors on va aller voir ailleurs, parce que peut-être qu'à un autre endroit il y en aura encore, mais ici on a fait le tour en 5 minutes quoi. Donc voilà, on a déjà vu mieux. À Cologne c'était petit, mais c'était typique l'Allemagne. Et en Alsace, c'était aussi petit, mais c'est typique Alsace. Ici, ça reste un marché de Noël, quoi. Donc voilà, je reste un peu sur ma faim pour l'instant. Sniff. Du coup, on visite la ville et on espère encore avoir des marchés un peu plus loin. Voilà, voilà. Arrête avec ton voilà, voilà. Oh, mais... Ça sort tout seul. C'est vrai. Justement, voilà, voilà. Elle vient voilà, de me voilà. Faire... Elle vient de me faire remarquer que je dis toujours voilà, voilà dans les vidéos. Mais je ne sais pas pourquoi, ça sort tout seul. Allez, avance. Ça sort tout seul, du coup, ben oui, quand je parle, j'ai voilà, voilà. Je sais pas pourquoi. Alors, ma fille est quand même parfois intelligente. Ça fait plusieurs fois qu'on passe ici, là. Et je me dis, on passe souvent ici, et on sait toujours pas ce que c'est. Puis elle me dit, ben, c'est peut-être la mairie, la commune, parce qu'on est en Belgique. Et effectivement, là, il faut passer, il y avait une mariée là devant, donc. Oui, quand on regarde les drapeaux, c'est comme chez nous, quand on va à la commune. En tout cas, elle est belle ici, la commune. Hein. Il y a plein de dorures, de choses, allez... Ah, franchement, elle est belle. Bon, à Bruxelles aussi, elle est belle à la Grand Place. Je dis pas le contraire. Et alors, dans le coin, il y a un autre style de bâtiment. Et ça, c'est quoi? Ah, voilà, ça, elle sait pas. Elle sait pas tout. Hein. Je viens pas d'ici non plus. Hein. Non? Allez, toi. Oh, I knew you would go back. You must be missing me so bad.
Eh ben non, elle est pas si intelligente que ça. Eh oh, je suppose. En fait, c'est un musée. J'essaierai de me renseigner quel musée, parce que je sais vraiment pas lequel c'est. Voilà. Alors, finalement, on va y arriver. Merci Google. C'est bien l'hôtel de ville de Bruges. Et l'autre petit, c'est la... Celui-là ? C'est la basilique du 500 de Bruges. Voilà. Donc le grand bâtiment qu'on vous a montré, c'est bien l'hôtel de ville. Donc la commune, pas la mairie. La commune. Et ce qui est là derrière... J'avais raison. Ben, c'est ce que je vous ai dit. Donc j'avais raison. Oui, t'avais raison, d'accord. Un pouce bleu pour Mélissa. Plein. On a dû être sûr en regardant sur Google. Hein. Ou précise. Hein. Merci Google. Allô Google ? Oui. Ah ben elle est pas là. Oui, l'autre. Let's just sneak in slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love. Donc Mélissa essaye de faire Google. Et alors je lui dis, t'imagines si tu fais Google comme ça? Ok Google, oui. Elle commence à rigoler. Et alors imaginez Google qui fait. Et là, c'est le bug. Et là, c'est le bug. Là, ça, c'est nos petits délires quand on est en route et qu'on a froid et qu'il y a un moment on est bloqué parce qu'on ne sait plus ce qu'on va faire. Et du coup, bah, on fait les idiotes, hein. Mais ça, on ne vous montre pas. Bah, aujourd'hui, c'est Noël, donc on a envie de vous le montrer. Voilà. Et alors, donc, il y a le chien, il nous regarde comme des connes. A l'air de dire, mais qu'est-ce que vous faites ici, là, en train de faire... Non, lui, il est en train de se dire, bon, on continue. S'il parlait, il dirait, bon, arrêtez, on continue. Donc, on continue. Donc voilà, alors une autre petite chose, question décoration. Il n'y a pas des masses, hein. Ah ouais, il y a 4 boules dans l'arbre. 4 boules. Façon de parler. Il est où l'arbre? Là. Bon, sinon, où sont les décorations de Noël? On est quand même à Noël. C'est même pas des boules de Noël, c'est des boules avec des fleurs. Qu'est-ce qui mijote? Ça ressemble au lustre de chez Ikea. Ah ouais. Donc voilà. Mais en même temps, décorer un sapin de Noël, d'accord? Mais un arbre. Ah oui. Mais moi, je m'attendais à voir plein des chalets de Noël et plein de décorations. Mais je vois rien. Quoi? Le musée de la tortue. Regarde, il y a des chocolats, des gros nénés. Oui. Si, il y a des gros nénés. Et la chaussure, elle est mignonne. Voilà, donc dernière petite chose. Là, vous voyez le musée de Dali. Et à côté... Pour ceux qui aiment le 4711, le parfum, ben, y a une petite boutique de parfum comme ça. Et sinon, ben, on va vous laisser. Oui, on va vous laisser là. Nous, on va aller un petit peu se réchauffer. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et oui, on vous souhaite aussi un joyeux Noël qui est déjà passé. Et des bonnes fêtes d'année. Qui sont pas encore passées. Ou pas. Vu qu'on ne sait pas quand on mettra cette vidéo, enfin joyeux Noël et bonne année quoi. Et on vous fait plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Bye. Bye.